Bonsoir Paris. Vous êtes chaud? On parle beaucoup d'intégration actuellement et c'est bizarre, depuis les loges, je regardais les retardataires rentrer dans la salle, que des noirs. C'est vrai, les noirs sont toujours en retard, ça doit être génétique ça. Et ça date pas d'aujourd'hui, vous savez, le jour de la distribution des rôles des super-héros, les noirs sont arrivés en retard. Et on a eu le dernier choix. Qui est les coups? Mais on fait des efforts d'intégration. Harry Roselmack, par exemple, il a surpris toute la France. Il est 20h, tu t'attends à voir Patrick Poivre d'Arvor, tu allumes ta télé, oh, nom de Dieu! Un vigile aux 20h? Oh, les clichés! Le problème de l'intégration des Noirs en France, c'est d'abord et avant tout un problème de culture. Il faut savoir qu'en Afrique noire, quand un garçon va dîner avec une fille, c'est lui qui paye l'addition. Et ça, toutes les filles noires le savent. Alors je vais vous dire, j'ai une amie qui est arrivée fraîchement d'Afrique, un jeune Français l'a emmené dîner, et à la fin du repas, quand l'addition arrive, il lui dit « on partage ?» Tu as dit quoi, là? On va faire quoi? Hey, toi, là, écoute-moi bien, hein. Moi, j'étais tranquillement chez moi, hein. Tu n'avais pas prévu de dépenser l'argent aujourd'hui, comment? Quand tu m'emmènes au restaurant, tu me dragues, tu veux que je paye ma part? Mais toi, là, tu verras jamais la couleur de mon string, hein. C'est dur pour elle. Mais c'est également dur pour lui. Il a rencontré une autre fille noire et là, il a pris les devants. Allez, c'est moi qui régale. Je t'invite, on va prendre un verre. Un verre? Mais on est deux? Qui va boire, qui va pas boire? Vous savez, même en amour, j'ai du mal à m'intégrer. Pourtant, j'ai trouvé l'amour dans les bras d'une blanche. C'était magnifique. Mais les blanches vivent dans un conte de fées. Elles me réveillent au milieu de la nuit. « Sire, 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 c'est moi que tu m'aimes. » Mais à quelle occasion? Moi, je suis un Africain. En Afrique, on ne gaspille pas le « je t'aime ». En Afrique, le « je t'aime », c'est un joker. C'est la raison pour laquelle vous n'entendrez jamais, au grand jamais, un noir dire gratuitement « je t'aime » à sa femme. Contrairement à un blanc. Oh les blancs. On dirait des distributeurs de « je t'aime hein. ». Bonjour, je t'aime. Bon appétit, je t'aime. Vous savez, quand je suis arrivé en France, j'entendais les blancs si souvent dire « je t'aime » que je pensais que ça donnait droit à des réductions d'impôts. Non, j'ai vraiment galéré, je vous assure. Phil, dis-moi, pourquoi t'es pas romantique? Pourquoi tu m'appelles jamais par ma chérie, mon amour ou bien mon trésor? Mais parce que tu ne t'appelles pas comme ça? Mais ça, oui, mais...